Et salut tout le monde, c'est Kintaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hellblade 2. Ok, j'ai le chat qui va certainement s'installer juste devant l'écran. Fais comme tu le sens, Mimine. Pas Viviette, tu fais comme tu le sens. Non, mais moi, ça me gêne pas. Une caresse, une caresse. On avait récupéré le miroir. Et là, on avait affronté des boss là où on utilisait le miroir justement pour pouvoir les contrer. Donc, ça va être plutôt pas mal. Le jeu est très très beau dans sa forme. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et écoutez, on va continuer, tout simplement. On va continuer à le découvrir, hein, tout simplement. Alors, une fois, je vais le redire. Bon, c'est un peu de la pub. Bon, je suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, mais c'est sur les Xbox Game Pass, 18 balles. Voilà quoi. Drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let it drag you down. Your destiny awaits. Look up. Ah, ça y est, c'est fini là le trip sous acide. C'est bon, c'est terminé. On peut en jouer. Ah, je rigole. Non, non, c'est vraiment pas mal là. C'est vraiment un jeu un peu entre guillemets à hauteur quoi. Bah, c'est quand même assez haut perché quand même. Ah, je crois que le premier était pareil. Hein. Ah, c'est tellement beau. Ah, on a vu les ombres un peu liésées hein, à la mort. Hein. Ça, on l'a vu. Hein. Ça, on l'a vu le jeu. Hein. On l'a vu. Hein. Les ombres qui est liésées à mort. C'était pas très très pixel perfect. Hein. Je peux y aller là, non? Attends, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. Ah. It's hanging from above. Like a cow. What could do this? Dryga remembers her. Ça ne servit à rien. Mais en vrai, dans la technique, franchement, c'est tout aussi impressionnant qu'un God of War. Hein. Que God of War qui était très impressionnant sur PS4, quoi. Et j'ai le Ragnarok, il faudrait que j'essaie de le faire de mon côté. Mais en vrai. God of War sur PS4 était un jeu qui était très 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 impressionnant. On avait enfin sur PS4 un jeu next-gen. Quoique, comment il s'appelle? Infamous Second Son était quand même pas mal. Ah! Ça, vraiment, je crois que c'est les points de sauvegarde.
A shepherd called Glamour was killed by some evil force, found dead in the snow. Mais en vrai, ouais, même God of War était très impressionnant. Hein. C'est un de ces jeux dans la technique. En vrai, je sais pas pourquoi je rentre là-dedans, il y a rien à visiter, je crois. Hein. Y a pas d'objets à récupérer ni quoi que ce soit. Ce serait bien que dans les bâtiments qu'il y ait des objets à récupérer. Va la récupérer. Mais non, c'est rien. So beautiful. They're moving, moving, transforming. Where will it take you? Where? Tu es d'accord? Ah. Look, life. Focus, Senua. In all the places of the earth, they know that the gods and spirits affect man's path. All the misfortune that befalls man. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas ce que ça, à quoi ça m'a servi de faire ça. Pour voir, tu perçois. D'accord. Est-ce que c'est un collectable? Peut-être, je sais pas. Bon, la suite, ça a l'air d'être par là. D'accord. Vois qu'il y a dans ma tête, plus narrateur. Je vous écoute. T'as même l'eau là, l'eau est vachement bien modélisée, c'est un truc de fou. T'as imaginé un Elder Scrolls avec cette qualité là de. Qualité de qu'on appelle ça d'asset. Ça sera un truc de malade quoi. Avec une qualité franchement d'asset et tout. Oh putain, et des éclairs et des light up. Putain, ça laisse rêveur quand même. Alors, je vois, oui, la lumière est si magnifique, mais c'est vrai, elle est totalement magnifique et bien gérée, quoi. Et là, au niveau de la colorimétrie et tout, c'est un truc de fou, quoi. Ouais,
But to turn back is to lose yourself, lose your way, defeated and dead-eyed. When the path ahead is clear, soaked and burned. Bah putain, mais on s'y croirait, quoi. Oh. Je leur dirai jamais assez, mais putain, un Elder Scrolls 5 avec cette qualité de d'assets, de textures et tout. Et encore, on est en 1080p, les gens. Imaginez le gars qui a une 4080 avec le proco qu'il faut et tout, la RAM qu'il faut et qui fait tourner le jeu en 4K. Oh. Ça doit tellement bien rendre. Putain. Après, j'ai bien fait d'avoir changé de carte graphique et d'être passé à une 4070. Juste pour... juste pour le fait, tu vois, d'avoir 8 Go de VRAM, d'en avoir déjà 12. Déjà de 1. Ah, et ça, c'est le festival d'Auriac. However dark it seemed, I always found a ray of light. In this wretched land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow would never lift. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. Reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Our mission. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. This man. His kin killed yours. You should want his blood, not to give him aid. Mais allez-moi, ces qualités de couleur, quoi. Et ces assets, quoi. Oh là là. Oh putain, regardez-moi cette qualité d'éclairage, quoi. Oh putain. Oh. Mais moi, je peux pas le aider, je suis à roue, là. Il y avait un jeu qui m'avait impressionné quand j'avais monté mon nouveau PC, là, que j'avais voulu retester. Bon, pourtant, sur l'ancienne config, j'avais une 3700X avec une... une RTX 3060 Ti, mais que j'avais retesté, que j'avais remis mais vraiment à fond de chez à fond, c'était Battlefield 5. Et Battlefield 5 avait de ces putains d'assets, en plus d'avoir le ray tracing à côté, mais avec ces putains d'assets quand il tourne à fond, c'était un truc de malade. Peut-être passer par là, non? Et AC avait aussi de très 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 beaux assets. Bon, là on est... on est sur un autre jeu, hein, on est sur une autre config et tout. Mais putain. C'est quand même très impressionnant. Je sais pas quand est-ce que je vais les rencontrer, ceux-là. Understand this power. Something is coming. Oh putain, c'est horrible. Ah, tu vois, y'en a un qui va faire une gros jumpscare.
Ah, puis en termes d'immersion, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Oh, c'est impressionnant en termes d'immersion. Oh là là. C'est quoi ça? Oh putain, c'est horrible. Tiens, on a l'impression d'être dans Resident Evil. Attends, mais allez, moi cette luminosité, ces éclairages, quoi. He is her next sign, the next step on her path. She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free him. Ok, allez, on va se battre, hein. Tac, ça c'est fait. Ensuite, le prochain. Ouais, c'est une sorte de bullet time en fait. Tu vas tomber. Ah, c'est ça, hein. Putain, il fait chier celui-là. T'as raison que j'ai mon Zaraldo parce que là... Allez, hop, Zawardo. Ah putain, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, comment on s'y croirait. Allez, ça va le dos. Oh mais putain, t'y croirais quoi. Oh mais t'y croirais quoi. Terrified.
She is coming. Can you feel her? She can feel it. Something from the other world is coming. Daybreak. She'll have to hide from the light now. Well, she will hunt us. Find our trail as soon as she can. You're not safe now. Let's go. Hop, 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 hop. Ah, quand c'était bien. L'homme du milieu, ok. Who are you? My name is Farkrimur. I come from a settlement nearby. I came here to seek help. He almost died. The Freyslaug had fallen to the Draugr. And to something else. I walked into a massacre. What was that? And they took me as well. But he was not like Why the others. Were you bound to that pole? What were the Draugr doing? We're calling to the creature, drawing her forth with her. Thunder a and blood. A creature called through death. And I was an offering. Draugr. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship her. He seems too calm. What if she comes back? Her dark heart seems to speak to their own. I mean, all the old gods have left these lands, so... We should leave as well. We find new ones where we can. This land is cursed. Non, donc on a fait le compte, te sauver, toi. Everyone is dying, and you know they will blame you. Everyone does. We do. En tout cas, la mise en scène était extraordinaire. Extraordinaire, franchement top. Nickel. Allez, franchement, une très très bonne mise en scène. I need to return home to my people. Go with him. He can help you. If you come with me, I will offer you what help I can. En même temps, t'as sauvé, mec, hein, donc. Creature stalks my village. Safety. You've seen her before. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this they land. Have lost from here everything. To my village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. Ah, oh, putain, aimez-moi ça. Oh là là. So you're from Orkneyr by your accent. How did you come here? As a slave. I have the slave master tied down there. He brought you here. The master. Maybe he escaped. We don't know his Thorkister. Name. We do now. I didn't ask his name. Thorkister of Borkavirki. There. We need to go there. He knows. He knows. Ah, on est de retour là. Can you tell me how to get there? Yes, but why would you want to go there? I'll kill you. Worse. We need to go there, Senua. T'en viens au village, non? Don't be a coward. He can help you. He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Thorkester. By the gods. What a terrible thing this is. Ouais, ils ont tous été morts, hein. This is worse than I ever thought possible. I believed that with time we could claw back our land. He wished that, but he didn't believe it. He has no hope. This gets darker.
bloodier with each day that passes. Mais là, c'est la guerre, mon petit. Look, that monster Thorgester is still there, still alive. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. So what do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. Stupid. Well, if you leave him, he will die. Draugr. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid! She's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. The monster. Our wound looks bad, Thorgestur. I don't want to talk to you. If you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Do not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is, Ildtoiga. So many questions. She's a giant. They awaken at sundown. Ildtoiga. A giant. A cursed land. But now she has help. Fargrimmar knows this land. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this, the nights grow longer. And come winter, there is no day, just endless night. Soon the time of man will end. Bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 3. Ah, ça aurait été quand même pas mal. Franchement, en vrai, il est génial ce jeu. Il est vraiment, vraiment super. Bon, bah écoutez, c'était Kintaro. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde.